Bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 14 septembre 2020. Là. Je suis déjà parti depuis une heure. Il était 9h quand je suis parti. Il faisait 13 degrés. Et là, je sens bien que la température est en train de progresser. Hein. Donc voilà, je suis parti toujours au-dessus de fumée. Hein, puisque j'ai encore plein de choses, plein de chemins, plein de sentiers à découvrir. Hein. Et puis, il y a un temps aujourd'hui magnifique. Hein. Magnifique. On a vraiment un superbe mois de septembre. Voilà, je vais vous faire découvrir avec moi un petit peu ces paysages-là. Ça vaut le coup. Hein. Moi, j'aime marcher. Alors, c'est vrai que il n'y a rien qui me dérange. Hein. Bon, là, j'arrive sur un plateau dans une sapinière. Il n'en reste plus beaucoup. Hein. Ça a été très exploité. Et puis, on va bien voir où tout ça me mène. Hein. Voilà, ça a l'air beaucoup plus sympathique hein, par ici. Il y a de l'ombre. Hein. Je rentre dans un sous-bois, je suis un petit chemin forestier. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a du houx. Hein. Alors je suis étonné de voir le houx déjà en boule en cette période. On n'est que mi-septembre. Hein. Regardez ça. Donc voilà le chemin que je vais emprunter. Regardez-moi ces belles feuilles rouges de ronces. Hein. Magnifique. Cette route forestière devient plus étroite. Un beau petit chemin. Bordé de sapins. Ça descend doucement tout en serpentant. Ouais, sur la Côte d'Azur. Là. Et là, je retombe sur une route forestière après celle du Faux d'où je viens. Eh bien, après 3 heures de marche à travers bois, me voici revenu à mon petit étang que je connais bien. Et comme il est midi, je vais me préparer à casser la croûte là. Ça m'a l'air bien agréable. Eh bien voilà, mon repas est en train de cuire, là je suis près de l'étang. Hein. Donc en fait, aujourd'hui c'est sur une base de pommes de terre avec du lard, un peu de salade et tout ça, j'ai rajouté moi 2 saucisses blanches. Donc voilà, il y en avait 4 hier soir, il m'en reste 2 que j'ai coupées par moitié. Voilà. Hein. Et puis un petit bout de fromage pourri, comme je dis, une pomme, mon bon pain hein, avec mon couteau, ma flotte, mon sac à dos, tout mon barda là. Hein. Et puis voilà, ça c'est mon sac à déchets. J'aime bien quand ça cuit, que ça fume un peu comme ça, c'est sympa. Ça cuit bien, hein. Il y a de quoi faire, hein. Mais bon, j'ai un solide appétit, hein, surtout dans les bois. Hein. Après 3 heures de marche, hein, t'as faim, hein. On va remuer un petit peu tout ça, voir où ça en est. Voilà. Voir si ça n'attache pas. Hein. Mmh. Peu de temps. Hein. Bon, visiblement, ça a l'air bien chaud. Ça a l'air d'être prêt. Hein. On va attaquer, les copains. On va attaquer. On va fermer le gaz. Voilà. Et on va goûter ça. Je connais, hein. De toute façon, la saucisse blanche, c'est un peu le même genre. Le boudin blanc, hein, ça a le même goût à peu près, hein. À peu de choses près. Hein. Donc, voilà, couteau fourchette, goûtons voir.
Si, c'est assez chaud, oui. Oh non, même trop chaud. Très bon. Bien assaisonné. C'est bon. C'est Marianne. Chaud, merde. C'est ça, la vie d'Agapi dans les bois. Je me regarde, hein? Eh bien, je me suis bien régalé avec ma ragouillasse là. Bon, maintenant, enfin, ragouillasse, je vous dis ragouillasse, ça veut dire ragoût quoi. Voilà, ragouillasse parce que c'est un mélange de, du diable. Du diable. Voilà. Bon. Un bon bout de calendos. Parce que j'aime le fromage. Même avec tout ce que j'ai bouffé, là, la gamelle était pleine. Hein. Et il me faut mon fromage, mon dessert. Je prends pas d'entrée, hein, bien souvent, sauf au restaurant, mais parce qu'il n'y a pas de fromage. Très souvent. Ça a du goût, les copains. Eh bien, les petits copains. C'est bien bon tout ça. Hein. Maintenant, c'est l'heure de la pomme. De la pomme. Bon. Manger comme ça, tranquillement, près d'un étang. Il n'y a pas un chat, hein.